vous fait rire ça, David Marquez. Bande de cons. Attends. Beaucoup de respect pour Anthony Cox, qui est fidèle à la lignée de son papa et qui est vraiment, pour être un petit peu, pour parler comme Emmanuel Macron, il ne pète pas plus haut que son cul. Hypertension, pourquoi c'est aussi incroyable que ça? Parce que ce sont vraiment des films dont la mise en scène complètement tarée, mais vraiment, quand je vous dis complètement tarée, c'est pas genre ouh, c'est... vraiment c'est dingue, et il comprend au bout d'un moment qu'on va lui enlever les couilles, voilà, on va lui couper la bite. Il y a une meuf qui commence à soulever le truc, fait « Oh, yo, big cock, hein, big cock !» Par exemple, « Le jour et la nuit » de Bernard-Henri Lévy, j'ai pas envie d'en parler parce qu'on a raison de s'en branler. Par contre, « Man of Tai Chi », ça non. Ça, que Dario Argento, c'est de la merde, que Dario Argento est un réalisateur de merde qui fait des films de merde. Mais qui sont ces gens qui disent ça? Des gens qui ont vu quoi? Deux films d'Argento? Predator 2, vraiment, vraiment, je trouve que c'est un, on va dire, un chef-d'œuvre du fantastique. Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un très grand film fantastique. Alors, il y a quand même un mec qui est passé en t-shirt orange et qui nous a demandé la tombe de Jim Morrison, Serge Gainsbourg. On s'en fout, ils sont morts. Alors, je vous ai choisi Warlock 2. Alors, Larry Cohen, il filme souvent en gros plan, puis après, il a plein de gros plans, puis il monte comme il peut. Alors, ça fait un peu bricoler parfois. Il y a des plans, tu te dis, mais pourquoi il est là, ce plan-là? J'aime les ingé-sons de la pointe de mon pied droit. C'est parti. À trop vouloir être ambitieux, argent, on perd un petit peu. Grand dicton juif, voilà. C'est un petit peu la thématique de cette émission, on va pas choisir des films de merde, quoique ce serait bien quand même. Le méchant, c'est trois mecs. C'est Bernard, c'est Pierre et c'est Donadieu. En un seul, Bernard, Pierre, Donadieu. Mais si on met Xavier bien au milieu, nous obtenons une extraordinaire bite. Voilà, c'est une bite. Ça, c'est Keanu Reeves, quoi.